c'est qui a gagné le plus d'argent cette année parmi les chanteuses féminines? Qui c'est qui va succéder à Taylor Swift? Attention, suspense. En 5, on retrouve la plutôt discrète Jennifer Lopez et ses 38 millions de dollars qu'elle doit plus à ses activités annexes de comédienne ou productrice télé qu'à ses chansons. En 4, eh bien, c'est notre Céline avec 42 millions de dollars. Merci la résidence à Las Vegas et merci les 800 000 ventes de son dernier disque. Encore un soir. En 3, Taylor Swift qui perd donc deux places mais cumule quand même quelques 44 millions grâce à sa tournée intitulée 1989. En 2, la star pop anglaise Adele qui a franchi le cap des 20 millions d'albums vendus, ah oui quand même, avant de donner 121 concerts dans le monde et à guichet fermé s'il vous plaît. Total 69 millions de dollars, un montant très érotique. Alors, voyez-vous qui s'installe haut la main à la première place? Allez, Beyoncé, voyons, avec 105 millions de dollars grâce à Lemonade et à la tournée qui a suivi. Pas trop de glaçons dans la limonade, s'il vous plaît.